diminue un peu la musique. Voilà. Bonjour tout le monde. On est le samedi et on va passer une bonne partie du samedi après-midi ensemble. Salut Titi 80 000. Waouh, 80 000. Amiens Power. Merci pour le suivi. Salut Marcraft, salut Redav, salut Lynn. Pop, pop, pop. Bon, on démarre sur donc programme de la journée. On démarre sur chapez.io. Je suis en route vers le niveau 24. Hein, on voit que ça avance doucement. Sur le coup, on va jusqu'à 15h45. Je fais une micro-pause, une petite pause. Et puis, on démarre après sur Holycube, sur Minecraft Holycube. Salut prof. Jusqu'à 8h moins le quart. Tranquillou, on commencera par le vaisseau spatial. Et puis après, on fera un peu de quoi qu'on fait. En deuxième partie, donc dans troisième partie, enfin c'est compliqué. Bon, il nous fallait 25 000 de cette petite pièce rigolote. Et j'ai une amélioration. Salut Spirio. Donc je vais améliorer le mélanger peinture. Oups. Et merci Tomix. Je me visionne tous les maths et la série est passionnante. Du coup, je me réabonne. Allez, salut. Eh ben, merci. Merci, un gros bisou à toi. Merci pour ton troisième mois. Carotte d'argent. Papapam. Merci à toi. Ah, oui, des maths. Bah, maths, on reprend une fois que l'Holycube sera terminé. Hein. Je pense. Hein, enfin, quand ça va commencer à se calmer, on va redémarrer une série, je pense. Je sais pas laquelle. Je pense que j'organiserai un petit vote pour savoir laquelle. On verra bien. Bon, du coup, j'ai le niveau 6 aussi, puisque là j'ai une réserve. Hein. J'ai 95 000, il en faut 30 000. Pop. Du coup, j'ai le niveau 7 aussi, parce que là j'ai 2 millions de pièces. Ouais. Et voilà. Bon, ben, comme quoi il va falloir la faire, celle-là. Celle-là, il faut continuer à la faire, la première. Et puis l'un de ces quatre, la quatrième, la troisième, il va falloir la faire. Bon, c'est des améliorations pour passer de multiplier par 8 à multiplier par 8,1. C'est pas l'urgence, hein. Là, on est plutôt sur du. Ici, on va débloquer les portes logiques. Pop, pop, pop. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé, hein, il y a eu un épisode sur la machine universelle qui est ici. Et où donc j'ai utilisé la couche des câbles pour pouvoir utiliser les trieurs d'items comme un aiguillage. Donc là, par exemple, on ne fait pas d'assemblage. Donc pour ne pas faire d'assemblage, à ce niveau-là, hop! On chinte l'assemblage et ici, hop, on chinte l'assemblage. Donc pour chinter l'assemblage, il faut que donc il y en a trois. Il y a l'assemblage des pièces 1 et 2, l'assemblage des pièces 3 et 4, et puis l'assemblage final. Donc là, il faut tout chinter. Donc il n'y a rien qui est allumé. Là où, pop, 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 c'est où? C'est ici où on fait un assemblage de deux pièces, les petites aiguilles blanches et les petites aiguilles rouges. Il a donc fallu dire, il a fallu appuyer sur deux boutons pour dire ne pas chinter. À mon avis, un seul aurait suffi. Parce que là, il n'y a rien qui arrive. Il faut juste pas chinter celui-là. Mais tous les autres sont chintés. Ouais. Chinter, ouais, c'est un terme anglais, je suis désolé. Bypasser, ah mais zut, c'est anglais aussi. Chinter, c'est un très très vieux terme. C'est pour dire passer à côté. Ah ouais, chinter, c'est vieux peut-être. C'est trop vieux. Donc on fait un passage sur le côté pour ne pas faire l'assemblage. Pac, pac. Hein, parce que cette pièce-là, elle est assez simple. Ici, c'est une pièce ronde
pleine. Ici, c'est une pièce pleine qui est de la même couleur. Et surtout, oula, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé. Alors, attends, c'est où? Ouais, j'ai trouvé un nid de cette forme-là. Donc, on n'allait pas s'embêter. Donc, on passe tout dans le. On passe tout à un seul endroit. Alors, au début, je numérotais 1, 2, 3, 4, mais je vais peut-être numéroter à l'envers. Donc, on passe tout dans la chaîne du bas. Et on peint ça. On la peint d'un seul coup. Et après, du coup, on ne fait pas d'assemblage. Et on la sort à la fin pour pouvoir faire l'assemblage en couche. Donc, qui est fait ici. La pièce du dessus. La pièce en dessous, la pièce encore en dessous et la pièce complètement en dessous. Et on a notre pièce. Salut Christophule. Donc aujourd'hui, on va bosser sur une autre partie de la machine universelle, c'est-à-dire bon, on a vu, on fait la fin, l'assemblage final, l'assemblage des quarts de pièce ou pas, la peinture des quarts de pièce. Là, ça fait vraiment méli-mélo. Il doit y avoir moyen de faire autrement, hein. Et puis il y a ici le gros bazar, c'est la production des pièces, l'alimentation. D'abord, l'alimentation des chaînes des chaînes de peinture. Hop. On peint ou on ne peint pas. Et ensuite, la production des choses. Hein, là, j'en suis encore j'ai besoin de ronds ici. Hop. J'amène les ronds. Donc je pense que ce qu'il va falloir qu'on utilise, ça va être les constantes. Hein, puisque maintenant, on a débloqué. Bah, elles sont où? Ça c'est le filtre. Ça c'est l'afficheur. L'interrupteur. Lecteur de débit. Ah, on l'a quand on est dans la couche E. Donc c'est la constante. Donc on émet un signal et quand on. Ah, je repasse en mode normal. Je vais vous faire une démo du truc. Je l'ai mis où? Ici. Bon, mettons que. Ici, on veut le trier. Le vert. On fait passer du vert ou pas. Soit on met un bouton, clac clac. Mais alors comment on va faire? Alors merci Christophule, merci pour le suivi. Je me permets de te suivre après avoir vu un article qui disait que tu reproduis la ville d'Amiens dans Minecraft. Je suis donc curieux de voir ton gros travail. Alors ouais, bah Vilas t'a répondu. Le projet Amiens, c'est le live tous les mardis après-midi, de 15h à 18h. Alors, il y a des épisodes de temps en temps, mais je suis un petit peu à la bourre pour les épisodes. Et donc, ça, c'est sur ma chaîne YouTube, hein. Il y a une playlist avec rien que le projet Amiens. Et je suis un petit peu à la bourre, je dois dire, pour les épisodes. J'ai chaud d'un coup. Hey, niveau 24. Et donc, on a débloqué les portes logiques. Vous n'êtes pas obligé de trouver ça génial, mais en fait c'est super cool. Avec ces portes, vous pouvez maintenant faire des opérations et ou exclusif et inverseur. Et cerise sur le gâteau, je vous donne aussi le transistor. Ah, il y a un tutoriel, mais il est seulement valable en anglais. Voulez-vous le voir? On va pas se payer le tutoriel, surtout en anglais. Donc sinon le reste du temps je fais du Minecraft, mais plus du Minecraft survie. Alors que Amiens c'est du créatif. Et le vendredi je me détends en faisant de la simulation de vol. Donc c'était hier. Et le samedi en début de live, en début de session, je m'amuse avec ce petit jeu que j'ai découvert et que bon, on est sur la fin là. Hein. Les portes logiques, je pense que je les ferai en épisode, hein, et pas en live. Sinon, ça devient, comme dit Demdom, ça devient technique. Donc, ici, j'ai connecté à mon filtre
une constante en lui disant « Je veux de la couleur jaune. » Comme ici c'est du vert, eh ben ça passe pas. Et donc il passe la couleur qui ne veut pas sur le côté. Donc ce qui est refusé, ce qui ne correspond pas à ce qu'on demande, pop pop, c'est refusé, ça part par là. Donc là c'est pas extrait. C'est clairement pas extrait et autres. Si on veut extraire du vert, il faut revenir là. Alors le problème c'est qu'on ne peut pas le changer, il faut le supprimer et le remettre. Et là je dis je veux du vert. Et hop, ça passe. Le vert passe. Pop, 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 il est extrait. Donc ça va pouvoir permettre de faire. Alors, les extracteurs à boutons, c'est aussi bien, mais c'est surtout des sélecteurs pour ah, une usine entièrement automatique, ouais. Elle nous dit Mimiche, une fois que tu auras tous les aimants à disposition. Ah, ça serait pas mal, hein. Salut Docteur Pi. Donc ça va nous permettre de faire des sélections quand on sera à ce niveau-là. Donc il va y avoir un gros bus. Hein, je pense qu'ici, donc un bus de données, hein, comme sur un ordinateur, qui va venir chercher les éléments, qui les passe ici. Et selon ce qu'on balance sur le bus, on le remettra en entrée de l'usine. Une histoire comme ça, hein. Après, il y a peut-être autre chose de plus judicieux à faire, mais bon. On va aller regarder la pièce qui est demandée. Après, c'est du traitement virtuel. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il faut deux petits carrés verts en losange. Bah, la forme chelou, mais en blanc. Et puis deux petits carrés, alors pas en losange, en diagonale. Deux autres carrés en diagonale et de la couleur verte. Et bah, c'est impeccable ça, parce que ça veut dire qu'il va falloir livrer du petit carré. Cette forme-là, du vert et du blanc. Alors maintenant, le petit carré, comment je vais le livrer? Parce qu'il faut un petit carré en haut à gauche, un petit carré en haut à droite, un petit carré. Et surtout, il en faut 4 en fait. Il faut 4 petits carrés. Donc au niveau des formes, il nous faut 5 formes différentes. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait 5 bus. Alors on va arrêter l'usine. Alors pour l'instant, pour arrêter l'usine, il n'y a pas 36 solutions, hein. Il faut couper ici. Et couper ici. Couper ici et ici. Couper ici. Couper ici et couper ici. Et l'usine devrait s'arrêter. Qui a galéré sur la dernière forme des améliorations? C'est quoi la dernière forme des améliorations? Salut le païen, merci pour le suivi. Alors pour que tout soit vide, il va falloir un certain temps. Hein. Parce que là, il y avait de la réserve. Là, ça commence déjà à se tarir. Il n'y a plus rien en haut. Donc là-haut, ça va rester bloqué. Et en fait, l'usine n'est pas équilibrée. Hein. Je pense que c'est là que ça va commencer à se tarir en premier. Ouais, voilà, il n'y a plus de pièces. Salut Stormpulper. Bon, on va aller faire notre alimentation d'usine. Alors, comment on va faire ça? Alors on va tout supprimer ici là. Je pense que c'est le mieux, hein. On supprime tout et puis on fait un gros bus. Une grosse avenue en fait de câbles pour venir alimenter les entrées.
Je pense qu'on va essayer de se faire un truc comme ça, quoi. Et merci, Esca. Donc, merci aussi, Calotte, pour le suivi. Donc, le projet Amiens dans Minecraft, c'est le mardi après-midi à 15h sur Twitch. Et je vais me remettre aux épisodes. Du coup, je vais me remettre aux épisodes. Hein. Le dernier qui est sorti, c'est celui sur Mégacité. Mais on l'a construit déjà il y a longtemps, Mégacité. Hein. Alors, c'est un épisode avec un temps accéléré, un time-lapse. Et puis après, quelques petites explications sur le bâtiment. Là, je suis au niveau 24. Mais je cherche à faire une usine automatique. Hein, parce qu'en fait, le déroulement des niveaux, après, ça devient un petit peu toujours la même, pas toujours la même chose parce qu'il faut aller chercher des formes différentes, mais pop pop pop. Bon, alors j'ai dit, ah attention, il y a la peinture aussi là. On va peut-être y aller par petits par petits morceaux. Confirmer la suppression? Ouais. J'ai une sauvegarde, hein. Ouais, mais si on construit des trucs, la sauvegarde, ça va nous faire une belle jambe. Alors, on va y aller doucettement, hein. On conçoit en même temps que... Merci, Esca. Ouais, on essaye de faire ça bien. La pièce... Sur cette chaîne-là, c'est la pièce du dessus. Donc la pièce du dessus, c'est les petits carrés. Il faut amener deux petits carrés. Et puis du verre. Donc ça veut dire qu'il faut au moins déjà un bus. Donc une ligne. Et comme il faut les assembler deux à deux, il faut venir alimenter donc le 1 et le 2. Donc il faut venir alimenter... Ah oui, ça c'est la peinture, ça. Donc il faut venir alimenter ici et ici. Alors on peut s'écarter un peu plus, hein, parce que... Alors moi ce que je pensais faire, donc c'était une ligne... Là par exemple, on a dit c'est 5. On se fait 5 lignes, donc 4 qui vont amener des petits carrés, et une qui vont amener la forme... cette forme-là. En entier, en un seul morceau. J'hallucine à chaque fois que je vois tes usines. Ouais. Donc on va utiliser l'item filter. Et on a vu qu'on le sé quand on le sélectionnait en fait, quand on lui donnait la bonne forme, ça sortait ici. Sinon, ça sort sur ce côté-là. Elle est pénible cette pièce parce que... Ah, il va peut-être le falloir le faire dans l'autre sens en fait. C'est-à-dire pas comme ça. Ouais, parce que admettons que là, on veuille délivrer ici. Voilà. Et là, si c'est pas bon, eh ben on s'en va. En fait, les pièces, elles vont faire tout le tour. Donc elles vont arriver plutôt par en dessous. Pour délivrer dans le deuxième, alors pour le bien, il faudrait que je sois là, mais ça va coincer. On voit tout de suite que ça va coincer, hein, parce que je vais pas pouvoir l'alimenter. Donc il faudrait que je mette d'abord le premier. Alors attends, le premier, il devrait être là. Si c'est pas ça, ça part par là. En fait, si c'est pas ça ici, c'est fini. C'est poubelle. C'est qu'on s'est trompé. Mais comme je vais le recopier après sur chaque machine. Quel est le but, mon bon Zélus? Bah, c'est de produire des pièces. Alors là, je suis à un niveau déjà assez élevé, hein. Au début, il demande des pièces simples, hein, des petits carrés à peindre et autres. Donc on a des machines pour peindre. Des machines pour découper, pour faire des pièces plus complexes, comme celle-là par exemple. Hein.
Donc des machines pour découper, des machines pour réassembler. Et il faut donc livrer les pièces qui sont demandées. Donc là, c'est une pièce en trois couches. Et donc j'essaie de faire une usine qui va permettre de réaliser cette pièce. Donc il y a une partie assemblage finale ici. Donc c'est ça qui permet de faire l'assemblage. L'assemblage des quatre couches. Là, il va y en avoir que trois. Parce que c'est une pièce à trois couches. On a l'assemblage des pièces complexes. Comme par exemple ici, on appelle ça une pièce complexe avec des quarts de carré. On a la peinture de ces pièces-là. Et donc là, on a l'alimentation. On est en train de travailler. Algorithme, plutôt, c'est plutôt de l'automatisme au niveau des convoyeurs et tout ça. Hein, plus. Donc là, comme ici, il faudra l'alimenter, il va falloir laisser un cran. Ici, on passe ici et on passe là. Donc pareil ici, tac, et pareil ici. Là on est là. Et là on est là. Ce qui fait que si c'est pas bon, on remontera au cran du dessus. Oula. Donc, ici on va mettre des tunnels. Là ça va pas le faire, non. Faut que je mette un tunnel de type 2. Voilà. Et là j'ai fait une alimentation pour alimenter cette entrée là, il faut que je sois forcément sur ce bus là. Alors ce qui aurait été bien, c'est qu'à la limite, je dise ma pièce elle est sur n'importe quel bus, mais alors là c'est plus compliqué. Ma pièce elle est sur n'importe quel bus et il faut que je l'amène ici. Il y a un écho dans le son, pas très gênant, mais je tenais juste à le signaler. Ah. Non, c'est pas Discord. C'est dans OBS. Ah, ou alors c'est la restitution Twitch. Salut Algoco. Ah ouais, c'est addictif, hein. Ouais, donc ce que je voulais faire moi, c'était plus un truc universel. Ouais, c'est une usine universelle. Ou par exemple, ici je suis sur la quatrième ligne, le quatrième bus, et je veux pouvoir alimenter la première entrée. Alors que là, je suis coincé. Je suis sur le quatrième bus, je retiens forcément la quatrième. Salut Carcosian, ou bah toi. Tac. Ah ouais, mais ça devait être très compliqué parce que ça veut dire j'ai 4 entrées et j'ai 4 sorties que je veux pouvoir croiser dans tous les sens. Ça veut dire que cette sortie-là, je veux pouvoir l'amener ici. Oh, c'est encore. Alors ça, c'est encore une autre histoire. C'est-à-dire que chaque bus, je peux l'amener. Ah ouais, alors ça voudrait dire, attendez, si on fait le truc. C'est-à-dire que ici, bon bah si c'est ok, je me branche là. Ça n'a pas marché. Eh ben, je reviens là. Et si c'est ok, hop, je me branche sur le 2. Etc. etc. Et je fais pareil pour le deuxième bus. Donc la deuxième ligne. Si c'est ok, alors faudrait que je l'écarte un peu. Oh vache. Si c'est ok, je sors là. Petit tunnel, petit pont. Et là, je crée un truc avec une fusion comme ça.
Si c'est pas bon, je fais le tour. Et je reviens là. Etc. Alors la programmation de ce truc-là, je vous raconte pas. Surtout que là, il va m'en falloir 5 de lignes. Et il va me falloir la même chose pour les couleurs. Il y a probablement moyen de faire plus compressé, hein. En le mettant dans l'autre sens. En lui faisant un petit quart de tour. Ah, on fait des essais là, hein. On fait des essais de modèles. Donc notre arrivée est ici. Si c'est OK, on part là. Si c'est pas bon, on repasse ici. Donc on fait tac tac. On rentre ici. Donc là, on devrait prendre moins de place. La deuxième rangée, il faut la décaler en fait. Ah oui, c'est ça l'astuce. La deuxième ligne, il faut la décaler. Si c'est OK, petit pont. Fusion. Là, si c'était OK comme ça. Donc là, on aura la même chose, décalé. Là où ça va craindre, c'est pour la troisième. La troisième entrée. Hop. Donc là, c'est bon. On a fait du 2-2. Vive les usines qu'on peut copier-coller. Ouais. Faisons une troisième entrée. Ah, bah attends, non, il suffit de décaler comme ça. Ah ouais, mais on peut faire que trois entrées. Parce que si c'est OK, on sort. Là, on peut encore aller faire une fusion comme ça. Donc là, on rentre ici, et si c'est pas bon, on continue. Le problème, c'est que si on a une quatrième entrée, là, on est coincé, hein. Là, toutes les améliorations au niveau 6. Cool. Je suis à combien? Je suis à niveau. J'ai tout en niveau 8. À partir du niveau 8, on gagne plus grand-chose, hein. La carotte, c'est 8,1. On passait de la vitesse 8 à la vitesse 8,1. Je pense qu'il va falloir qu'il change pour que la carotte soit plus alléchante, hein. Oui, parce que moi je voudrais au moins 5. Là, au moins 5 lignes. Donc faut qu'on fasse autrement là. Alors faisons autrement. Il faut pas décaler. Il faut rester. Si je décale pas. Mais je veux pas que ça soit trop large quand même. Oh, t'es difficile! Si on fait ça, ici on s'est coincé l'accès. Il faut au moins faire un décalage de 3. Pour faire une fusion comme ça. Et là ici on fait une fusion classique. Donc si j'ai l'autre qui est là, écart de 3. Donc là, j'ai mon bus. Ah non, j'ai fait un écart de 2. Ah oui, non, ça va pas. Attends, c'est comme ça. Attends, on va y arriver. Voilà, comme ça je peux faire tac tac. Et là, j'ai ça. Donc là, j'ai bien un écart de 3 entre chaque ligne. Et pourquoi j'avais. Ah oui, parce que c'est comme ça là. Ok, l'alimentation est comme ça. Voilà pourquoi j'avais dans l'œil.
Et là, j'ai pas de limite. Je peux faire autant de lignes que je veux. No limite. Par contre, si je veux en refaire derrière, faudra que je sois au moins... Oula. Que je sois au moins comme ça. Salut Fasti et salut DJ Memo. Il faut faire une fusion entre les tunnels, ouais. Pop, pop, pop. Ok, ok. Bon, donc je peux faire mon... J'ai mon alimentation là. Je peux faire 5 lignes. Limite, je peux confondre les bus de données. Les bus de. Les bus d'items et les bus de couleurs. C'est quand même large. Ça le problème en fait. Hein. Alors ça je l'efface. Pop. Donc ça je l'efface. Pop. Et ça, bah, on va venir le copier ici. En fait, le quatrième, il peut être là. On peut le faire à l'envers. Hein. Il va y avoir les couleurs après. Hein. Faut se méfier. Sachant que là, il en faut forcément 4. Alors je vais bien raccrocher le truc, c'est-à-dire que... Toc, toc, toc. Ça, ça vient sur le 2. Alors, comme on veut faire du général, on va copier tout le truc. Donc là, je copie ça. Non, 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 non. Échappement. Je copie ça. Ici et ici. Boop, boop. Et on n'a pas encore mis Hop. Ok, d'ac. Bon bah ça je peux l'enlever. Et on fait et on dit qu'on fait pareil pour les couleurs. Sauf que... Donc les couleurs c'est ici. Et on doit venir se brancher là. Bon, il doit y avoir moyen de faire plus optimisé hein, dans le bazar là. Dans le nœud de... Je pourrais mélanger un rang. Un rang item, un rang couleur. Ah, à un moment ça se sauvegarde plus. Ah ok. Bon après le jeu est pas très cher hein. Mais bon si t'as atteint le niveau la limite du niveau gratuit, je pense que t'as fait quasiment tout le jeu hein. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Séparer les données 1, 2, 3, 4 et les couleurs. Ça sera peut-être plus plus logique hein. Mais là, là c'est un peu le beans. La couleur sort ici et on peut pas passer, on est coincé. Donc on peut décaler, hein. Tac, tac, tac. C'est pas un souci ça.
D'autant que je peux même être. Je devrais être là. Je sais pas pourquoi il l'a pas mis. Bon, bah, eh. Petit tunnel, et puis on se branche ici. Hein. Première couleur. Deuxième couleur. Et là, il n'y a plus ça. Hop. Quatrième couleur. On va déjà essayer de relier celle-là. Alors, tout ça, on le supprime. Suppression. Suppression. C'est quoi ça? Ouh là là, le beans. Suppression. Je tente de faire quoi? Je tente de faire une usine universelle. Suppression. Ouh là là, il y avait quoi là? On dégage tout, on se fait de la place ici. Suppression. Voilà. Donc on va essayer d'alimenter ce truc là. Après et puis ça tombe bien parce que la première forme, c'est la forme du dessus. Il faut deux petits carrés et un vert. Donc on va utiliser le bus 1, le bus 2 et un bus pour la couleur. Salut Azargus. Une usine universelle, ça veut dire qu'elle peut fabriquer n'importe quelle pièce. Donc là, on nous demande cette pièce en trois couches, on peut la faire. Donc ça veut dire qu'il faut. Alors pour l'instant, je vais ramener des trucs à l'arrache ici. Il faut du verre. Bon, le verre, c'est pas compliqué. Il y en a là. Après, on le fera arriver d'autre part. Il n'y a pas de souci. Donc, on amène du verre dans le bus 3. Alors. Ah ouais, si on fait rien, c'est bloqué. Alors, lui, il faudra amener du verre. Ah, le verre, il faut l'amener à deux endroits. Ah, ça veut dire qu'il faut amener du verre sur deux bus. Parce qu'il faut que j'amène, comme il y a deux pièces, deux quarts de pièces, comme j'ai fait mon truc, il faut deux bus. Et parce qu'il faut en amener, on va amener une pièce sur le bus, sur l'entrée 1 et sur l'entrée 2. Donc il faut amener de la peinture verte sur l'entrée 1 et sur l'entrée 2. Donc ici et ici. Donc là, c'est l'entrée de la peinture. Donc ça veut dire que là, il faut que le vert passe. Je me mets en couche E. On va le gérer avec une constante. Et on veut du vert. Donc là, il passe. On va alimenter le truc. Partout arrêt, partout. Après, il faudrait que ça passe dans tous les cas, en fait. Comment on pourrait faire ça? Il suffit de lui mettre un interrupteur qui n'est pas allumé, mais l'interrupteur va pas ici. Parce que l'interrupteur, il est sur la couche et il y a un câble, donc on peut pas le mettre. Est-ce qu'on peut lui faire générer une constante en lui disant... Ah, ben je veux du zéro. Ah oui, mais là, on va pas avoir le truc. On va le refaire. Constante avec du zéro. C'est bon. La constante avec du zéro, pop, 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 ça fait passer tout le truc. Si on veut alimenter, il faut dire, on balance pas du zéro, on balance la couleur qu'on veut. Et tout le reste du truc, pop.
Ah ouais, à chaque fois. Est-ce que je peux faire un copier? Non, pas là. Mais qu'il est bête. J'ai perdu ma forme. Alors, ici. Et ici. Bah du coup, j'aurais pu copier tout. Ici, ici. Était peut-être un peu fort. Bon, c'est bon. Ok, tac. Donc il faut que j'amène des petits carrés maintenant. Dans celle-là. Dans mon bus 1 et mon bus 2. Alors où est-ce qu'on a des petits carrés? Bah, on va se faire des petits carrés ici. Hein. C'est juste pour le test. Hein. Je le ferai ailleurs après. Ouais, surtout que là. On va se faire un méga découpage. En 4. Quel carré on veut? En bas à droite, en haut à gauche. Donc 2, 4. Ouais. Il va nous. Il y a un de ceux qu'on veut et qui va pas. Bon, lui, on le jette à la poubelle. Celui-là est bon. Donc lui, on le jette à la poubelle. Et lui, bah, on va lui faire faire une petite rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc c'est bon. En bas à droite, en haut à gauche. Ouais. Peluche ou à le coco. Salut Calypso, salut Scoviet, j'ai dit bonjour. Bon là on alimente. Donc comme on a tout mis à zéro, ça passe. Ah ouais, ça passe sauf là. Voilà, ça passe partout. Et puis à la limite, bah, si ça n'a pas été utilisé là-haut, là-haut on peut balancer une poubelle. Voilà, comme ça circule. Mais on va l'utiliser puisque lui on va l'envoyer dans la forme 4, donc ici. Donc je repasse ici, j'enlève ça. Et en constante. Ah, c'est la forme directe. Vous entrez le raccourci d'une forme que vous pouvez générer ici. Ah. Ah ouais. Alors un petit rectangle. Le petit rectangle en haut à gauche, c'est ça. Et c'est bon, il est parti. Pop, 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 pop. Et sur le deuxième, je vais envoyer le petit rectangle en bas à droite. C'est compliqué, hein. Et donc, pour avoir un petit rectangle en bas à droite, c'est ça. Là où il m'a envoyé sur cette page-là, hein. Donc j'ai demandé ça et il m'a généré ce code là. Est-ce que je t'ai dit bonjour Scalypso? Donc là, eh ben on fournit ces pièces-là. Et là, ben je sais pas où ça va. C'est en train de se stocker dedans, j'ai l'impression. Ce qu'il va falloir surtout envoyer, c'est de la peinture. Donc là, il faut envoyer de la peinture verte. Donc il nous faut un troisième, il nous faut un troisième bus. Alors faire un troisième bus, c'est pas compliqué.
Il suffit de faire ça. Copie. Et puis de le coller là. J'ai dit troisième. Je voulais dire quatrième, hein. Là, on va lui balancer du verre. Et ça va pas marcher parce que... J'ai en copié 4. Donc pour l'instant, c'est tout à zéro, donc il passe tout debout, il va à la poubelle. Et je veux l'envoyer dans le deuxième. Donc le deuxième, c'est ici. Donc j'efface celui-là et je lui dis, je veux du vert ici. J'aurais pu mettre 1 en fait, hein, à ce niveau-là. Hop. Et donc il balance bien du vert là et il va nous produire l'autre. Donc maintenant il va pouvoir se fusionner. Bon alors la machine elle est un peu bloquée. Alors pourquoi il se fusionne pas? Attends, c'est les mêmes pièces. Ah oui, parce qu'il faut que je la programme pour qu'elle se fusionne. Donc il faut qu'il fasse la fusion à ce niveau-là. Donc il faut que ce verre-là soit allumé. Donc il faut que j'appuie sur le bouton du bas. Poc. Voilà. Et passé un petit temps d'adaptation, il me fait la pièce qui est demandée. C'est-à-dire celle-là. Ouch. Salut baguette. Bon, et ben ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Mais là, on a alimenté pour avoir une pièce. Alors ça, on va le recopier à chaque truc ici. Alors ce qui est embêtant quand... Enfin, ce qui est dommage quand on fait les copies, c'est qu'on fait, il faut faire deux fois les copies, la couche des machines et la couche des câbles. Quand on copie la couche des machines, on ne copie pas la couche des câbles. Et ça, quand j'ai fait le câblage ici, pour commander ou pas, mais les assemblages. Bah, il a fallu le faire en deux fois quoi. Et là, il faut le positionner bien parce que si tu le décales de 1, il n'y a rien qui marche. Donc ça, c'est un peu chaud. Il devrait y avoir, peut-être que ça existe, un copie, tu copies les deux en même temps quoi. Bon, on va copier ça. On va se positionner. Hop. Ici. Ah ouais, ce qu'il y a, c'est qu'en dessous, copie. En dessous, je vais avoir des trucs là. Ça va mettre le bazar. Toc. Oula, oui, ça m'a. Oh, le plat de spaghettis. Aïe, 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 aïe. Ça m'a mis le bazar, en effet. On supprime tout et on le refait. On va copier tout ça. Hop, voilà. Donc ici, on va relier. Donc en fait, ici, on est relié ici. Ça, il va falloir l'alimenter autrement. Hein. Oups, là, il y a des petits restes.
Bim, level 20, et bah, bravo le païen. Donc là maintenant, il faut que je recopie des zéros. C'est-à-dire ce que j'avais mis ici. Alors toute la partie haute en fait. Je vais recopier ça. Copier. On va le mettre ici. Alors ça évoluera, je pense, hein. Après, il y aura des circuits plus complexes pour que tout soit centralisé, la demande, hein. Mais pour l'instant, c'est vraiment... je la fais petit à petit. L'oiseau fait son nid. Voilà. Donc. Là, si je copie tout ça. Voilà. Donc maintenant, il faut que juste que je copie. Donc ça vient se positionner sous les marrons. Ici. Ici. Donc ça c'est la sortie. Donc si je veux aller ralimenter maintenant, il va falloir venir se brancher sur les bus maintenant. Ouais, Demdome. Gymnopédie. Bon, pour l'instant, pour faire la forme, parce que l'objectif c'est quand même de faire la forme, on va faire l'alimentation un peu dans le trivial. Après, il faudra faire l'extraction ici, la faire de manière beaucoup plus intelligente. Donc, dans le bus 3 et 4, je balançais du verre. Donc là, ça va remonter. Pop, 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 pop. Là, ça part ici. Pourquoi là, c'est... Pourquoi là, il y a du brun? Ça, c'est de la copie. Voilà. On a mis du vert partout. Et donc là, c'était des petits carrés. Donc... Ah oui, les petits carrés, c'était au-dessus. Ah oui, elles sont là les formes, on les voit. Donc, le petit carré en haut à gauche, il est dans le bus 1. Hop. Donc il nous faut quelque part une extraction de petits carrés. Oh, bon, on peut la refaire n'importe où, hein. On peut vraiment la refaire n'importe où. C'est pas un problème. Il faudra juste. Oups. On peut même la faire là. Le premier qu'il nous fallait, c'était en haut à gauche. Ah, c'est celui-là, mais il n'est pas dans le bon sens. Si on veut pas s'embêter à faire des tunnels, il suffit de les tourner. Celui-là est dans le bon sens et celui-là, pop.
un petit coup dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et ça va le faire. Voilà. Alors, il faut aller les accrocher ici et ici respectivement. Pourquoi ils partent déjà là? Ah, j'ai fait une copie. Donc là, on balance 0. Il faut qu'il remonte. Hein. Oh là là, j'ai pas. Ah ouais, j'ai pas copié la bonne pièce. Ok. Je devrais faire une copie, ça serait plus facile, parce qu'à chaque fois il me redemande 0. Donc à chaque fois je vais avoir le souci. Tac, tac. Ah ouais, j'ai vraiment pas copié le bon coin moi. Ici. Que je suis au dernier, non. Donc là c'est toujours pas bon. Ah là 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 là, quel boulet. Là c'est bien 0. Et là c'est bon. On alimente bien le bas. Donc voilà, on va faire nos pièces. Ok. Ouch. Bon, maintenant il va falloir alimenter la deuxième pièce. Deuxième pièce, il nous faut quoi? Une pièce comme ça et du blanc. Donc ça veut dire que il va nous falloir un. Ouais, c'est bon. Deux nouvelles lignes. Sur toute la longueur. Ah ouais, mais je stocke du vert, moi. J'aurais préféré une ligne vide. Après, je peux déjà en rajouter une, hein. Il m'en faudra d'autres. Hein. Ah ben oui, si elle se vide, il y a une poubelle tout au bout. C'est nickel. Ah ben c'est cette pièce-là qu'il nous faut. Et ben on va l'extraire vers le bas. Quoique c'est celle-là ou dans quel sens elle est orientée? Ouais, c'est pile celle-là. Je sais pas jusqu'où il faut qu'on descende. Je suis peut-être descendu un peu fort en bas, ouais. c'était ici. Et on va le mettre dans le bus 5. Allez, on commence déjà à faire du bazar là. Bus 5. Comment on peut avoir la forme, une copie de la forme qu'on est en train de faire ici? Peut-être en. Pourquoi ça marche pas ça? Connecter un signal. Oui, il affiche rien. Bon,
Bon, sinon c'est un cercle, c'est CURU. CURU. Parce que, techniquement. Ah oui, là il faut copier du 0 partout. Pour la faire remonter jusqu'en haut. Alors là on va pas se tromper. 0, 0, 0, 0. Tout est à 0. D'ailleurs, tout est à 0 sur toute la ligne là. Allez, on va prendre tout ça. Oups. Voilà. Copie. Paf. 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 Il doit y avoir moyen de faire plus intelligent, non? Si, il doit y avoir moyen de faire. Donc là, ça va jusque-là. Mais nous, on veut s'arrêter, on veut l'envoyer ici. Couche 2, ligne du bas, ligne numéro 1. Donc ici, on passe en couche ici, on enlève lui, on le remet et on dit on veut. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? CU, RU, CU, RU. On va vérifier sur le générateur de forme. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Et hop! Ça part dans le bazar. Donc maintenant, il faut juste lui amener du blanc. Voilà, il est plein. Il va se bloquer. Donc, dans le bus 6, il faut amener du blanc. Sais pas si on pourra automatiser tout ça parce que vu le nombre d'entrées qu'il y a ici. Alors du blanc. Il y en a où du blanc? J'en avais du blanc. J'ai fait une usine à blanc. Ça c'est une usine à quoi? C'est une usine à bleu. Ah bah j'ai du blanc ici. Allez, tout ça on l'élimine. Le vert, il nous enquiquine, hein. On va plutôt le faire passer en dessous, en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi ici? Voilà. Et donc, du coup, le blanc, on le fait passer là. Et on l'amène là. Ce qui fait qu'il remonte, il remonte, il remonte, il remonte. On va être à la deuxième. Et on veut le faire rentrer. Et je crois que je me suis trompé. Là, j'ai envoyé dans la couleur en fait. Là, c'est de la couleur. Bravo. Bravo, bravo. Bravissimo. Ok, dac. Alors. Donc en fait c'est... C'était ici qu'il fallait envoyer, c'était quoi déjà? CURU, CURU. CURU, CURU. Voilà, c'est bon. Et le blanc, il faut l'envoyer ici. Ah, la couleur, c'est cool, il l'a mis. Bon, donc ça va être bon. Faut juste qu'on nettoie, bah, qu'on purge tout le bazar parce qu'on a vraiment Comment ça se passe dans ces cas-là? Oh là 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 là, les fléaux. Voilà, là la couleur, c'est bon. Salut Clampin.
Allez. Et là où j'ai fait pareil. Hein. Donc cette pièce-là, au niveau sortie, il faut pas la fusionner. Donc il faut que tous les boutons soient éteints. Oh, ben. Il faut appuyer. Clic gauche. Voilà, c'est bon. On fusionne rien et on envoie tout là-haut. Donc là, on va commencer à faire des pièces, mais des pièces de brin. Hein. En fait, il n'y en a qu'une de valable. Elle est là. Tout est encore coincé. Il faut attendre un certain temps avant qu'elle fournisse une machine une forme correcte pour cette machine. Hein. Ok, Dac. Bon, troisième forme. Troisième forme. Donc, troisième couche. 15h05. C'est la même que la précédente, donc il va falloir 4 bus, 2 pour les petits carrés et 2 pour la couleur. Donc au total, si on fait une forme à 4 couches qui a des formes différentes à chaque fois, des couleurs différentes à chaque fois, 4 fois 4, il faut 16 bus. Donc c'est comme un ordinateur 16 bits. Sachant que là, c'est des bus. Quand je dis 16 bis, 16 bus, c'est des bus à 1 bit, quoi. J'en avais mis 2, il faut que j'en rajoute. Est-ce que je peux couper ça? Alors, on va coincer avec le bleu là. Ouais, ça, on peut le couper. On va en recopier 2. Donc, à partir d'ici. À faire attention en bas, ça va se connecter au mauvais endroit. Ah non, ça a juste coupé. Ok. Il va falloir leur balancer du verre. Donc du verre on en a là. Et il va surtout falloir leur balancer toute une petite truc de zéro. Ah non, je sais pas. Vache, la copie va être dure. Alors attends, on va zoomer. Non, ça va le faire. Et là, c'est quoi ce bin, ça? Ouais. Et des fois, il reste des trucs d'anciens essais, quoi. Utilise des poubelles pour vider les lignes. Ouais, je pourrais. Donc, on va balancer du verre ici. On va faire une extraction là. Et il nous faut des petits carrés. Et donc il faut alimenter. Donc c'est dans la troisième couche. Et on va alimenter la couche 1 et la couche 2 de peinture. Donc ici. Et ici. Donc là, on veut du vert. Et on veut du vert. Donc on va alimenter. Voilà. Les deux couches de peinture. Pareil, il y avait des petits carrés dedans, ça va coincer.
Oh. Voilà. Donc il faut amener des petits carrés maintenant. Bon, les petits carrés, c'est pas trop un problème. On en avait là. On peut en amener plus, hein. Ah, j'aurais peut-être pas dû me mettre. Si après j'en fais plusieurs. Alors par contre, c'est des petits carrés, ils sont inversés, en haut à droite, en bas à gauche. En haut à droite, c'est bon. Bah pareil, on va éliminer les deux autres. Et en bas à gauche, il y a une petite rotation qui va bien dans l'autre sens. Ah non, ça c'est des poubelles. Voilà, c'est bon. Allez. Par où je vais passer? Péter tunnel. Je sens que ça va coincer. pam pam, palam pam pam. Non, ça va pas du tout faire plat de spaghetti, hein. Vous inquiétez pas. La situation est complètement maîtrisée. Don't panique. Et ça, c'est provisoire, hein. Hop, c'est parti. Pourquoi là, tu y vas pas? Ah, parce que ça. Donc, ça. C'est dans la troisième couche. Donc, hop, hop, hop. C'est a priori là et là. Alors, soit je mets du 1, soit je m'embête pas, hein. Je cherche pas la forme. Et puis on balance 1 et puis c'est bon, c'est parti, hein. Et hop. C'est là que ça devient chaud. Et voilà, on peint des petits trucs verts. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Et normalement... Pourquoi on les assemble pas? Ah, parce que c'est tout chinté. Or, il faudrait faire l'assemblage ici, le premier assemblage. Donc, le fameux assemblage du bas. Donc, c'est là où il faut que j'appuie clic gauche. Voilà, clac. Ah, il faut le temps que je réfléchisse, hein, à la machine. Et voilà. Donc, on fait bien les assemblages. Alors, pour l'instant, ils sont tout pourris, ils sont tout moisis. Parce que il faut le temps que l'usine, il faut que l'usine se purge. Hein. Salut Réal Mohican. Il faut le temps qu'elle se purge. Ça y est, ça commence à sortir. Il commence à sortir les petits papillons, sauf là. Voilà, ça, là c'est bon. Ok, c'est les bonnes pièces qui sortent. Si, si, c'est les bonnes pièces qui sortent. Vous inquiétez pas. Oh, le situation est under contrôle. Bon, là on a encore des formes un peu pourries à ce niveau-là. Alors le problème de purger le truc, c'est que
Bah, faut faire ça, quoi. Et non, c'est bon, c'est du blanc. C'est les bonnes formes. Pourtant, j'ai vu des gars, ils arrivaient à le faire, ça. Bah non, en fait, ils n'y arrivent pas. Bon, faut faire comme ça. Dans les speedrun, ils y arrivent. Bon, là, on va avoir un problème, par contre, c'est qu'ici, il faut pas faire la fusion. Faut chinter le truc. Donc là, on va tout poubelliser. Plop, 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 plop. On va vider le bazar. Quand il sera vide, hein, parce que c'est une pièce à 3 couches. Alors moi, mon usine, elle fonctionne pour être à 4 touches. C'est avec contrôle, nous dit Pralin. Il faudra que j'essaye. Bah, je vais essayer là. Il en reste encore. Pop, 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 pop. Voilà. Alors, je le sélectionne, je mets là, je fais contrôle. Eh oui, c'est bon, c'est ça. Bah, merci, merci Pralin. Merci Pralin au chocolat. Salut Yaedia. Bon, le problème donc si on fait ça, c'est que ben, nos pièces ne partent pas alors qu'elles sont correctes, hein. Alors, ça devrait commencer à s'incrémenter. Mais ça part pas parce que là, il n'y a rien. Alors là, il faudrait pouvoir le chinter, le truc. Donc le chinter, ici, on avait fait, c'est un système un petit peu complexe. Ben, j'avais fait comme ça ici. C'est-à-dire que s'il n'est pas alimenté, on passe au-delà. Donc c'est celui-là. Comment on va faire? Là, on a une arrivée. Ici, ah non, forcément en courbe. Elle vient forcément comme ça. Pop, pop. Et c'est celle-là que on chinte. Donc si on veut la chinter, on utilise ce truc-là. Donc on pourrait se mettre ici. Donc l'arrivée se fait bien ici, c'est ok. Sauf que là, ben, on prend de la place, il faudrait tout décaler. Ah. Parce que là, ça veut dire que. Donc soit on fait l'assemblage, on sort ici. Soit on ne fait pas l'assemblage, on sort ici. Et donc là, on fusionne après avec un truc dans ce. Est-ce qu'on va réussir à le trouver? C'est stylo. Alors, si on veut refaire tout ce truc-là, avec ici juste un décalage de 1, parce que tout est groupé, hein, ici tout est à 8, c'est-à-dire que toutes les entrées doivent être ici. Donc si on fait ça. Alors que ça écarte plus le truc, hein. Vous voyez? Tac. Tac. Et on a tout pété. Voilà, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Et pourquoi ici c'est pas bon? Ah ouais, parce que ici on est. Bah, tac, tac. Ici, tac, 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 tac. Alors, au niveau largeur, on est beaucoup plus large, quoi. Pop, pop. Après, on a de la place, hein. Je peux essayer avec deux tunnels. Salut Copernic. Comment ça avec deux tunnels? Ah, j'ai pas la place non plus, non, non. Donc, je vais effacer tout ça là, ici. Tout ça disparaît. Bloc. Bloc. Et je vais recopier ça.
Alors, bonne foi. Est-ce que je peux recopier le même ici? C'est pas évident. On va vérifier un peu. Ça ici, ça va là. Donc là, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais copier ça ici, 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 ici. Non, bêtise. Ah ouais, attends. Au fur et à mesure, ça va se décaler comme ça. Ça devrait le faire, mais à chaque fois, à un moment donné, on risque de coincer quand même. Ah oui, mais on peut se décaler comme ça. Donc ça devrait finir par le faire. Ouh, c'est chaud. Et là, par contre, là, c'est pas bon du tout ce qu'on fait. Ouais, parce que la sortie est ici. Bon, faut redécaler toutes les sorties, quoi. Ça, c'est pas le plus gênant. Ça, c'est pas le plus gênant. Pop, pop, pop. Ok. Ok, on va y arriver. On va y arriver. Il faut juste que... Donc là, copie. Toc. Là, sauf que c'était pas celle-là. Ici, c'est celle-là. Ouais, puis après, on se décale, quoi. Là, on copie... Ici. Vache, il y en a encore. Pour être efficace, je pourrais copier juste ça en fait. Et il en faut encore une. Celle-là, elle vient s'alimenter. Ici, celle-là elle vient s'alimenter ici, et celle-là elle vient s'alimenter ici. Ok, dac. Ok, dac. Donc là, copie ici. Oh non, faute. Alors attendez. Là, tunnel. Tunnel. N'importe quoi. Si, c'était comme ça. On va y arriver, on va y arriver. Oui, là, je me suis pas bien alimenté en fait. Je me suis pas bien branché, c'est ici. 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 Voilà. Ça va, pas trop mal à la tête. Et là, ici, comme ça, voilà. Ouf. Alors, nos sorties. On sort ici.
Donc là, c'est tout bon. Et ici, hop, on le ferait aussi. Par contre, attends. Non, j'en ai branché un de trop là. C'est 4. Hop. Oula. Voilà. Ok, ça je l'enlève. On n'a plus besoin. Pop. Et donc il faut mettre un bouton maintenant pour dire on assemble ou pas. Donc on passe sur la couche qui va bien. On prend le fil vert. Et donc on connecte. Pop. Parce qu'en fait c'est tout ça. Hein. C'est du tout ou rien. Hein. C'est on assemble sur toute la ligne ou pas. Il faut connecter tous les items filtres. Hop. Et là, on vient mettre les petits boutons. Alors, ce qui est dommage, c'est que alors, on voit pas bien où il se branche. Voilà. Et donc, comme il est à zéro, bon, ben, ça veut dire qu'on fait pas le, on fait pas le raccommodage et on livre. Et voilà. C'est coup FT. Bon, la programmation de la machine est un petit peu compliquée. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde, c'est un peu compliqué au niveau rendement. On est à du 56 800 par heure. C'est pas. Ça va descendre, je pense que c'est parce que tout le truc était bouché. Je pense qu'après, ça va redescendre, hein. Mais c'est pas mal parce que comme il en faut 25 000, ça veut dire en une demi-heure, on a fait notre... Ça bouche même tellement il y a de trucs. Il faudrait qu'on passe sur le troisième niveau, le troisième tuyau là. Là on se branche sur un tuyau qui donne pas assez. Tous les trucs sont pouf, blindés. Il y a... Un seul petit point faible ici. Pourquoi? Pourquoi? Je pense que c'est la couleur verte qui va. On doit pas livrer assez de couleur. Ah si, on. Ah ça, quand on a fait du travail de cochon, hein, celle-là est vide. Là, on aura le même problème. Hein. On a vraiment cochonné le truc. Donc là, c'est du blanc. Ah là, pareil. Mais bon, elle sert à rien. Bon, ça, il y aura des soucis. Là, c'est bon. C'est de la peinture partout. Et là, on peint que du blanc. Et là. Donc on va être à nouveau efficace en peinture. Ouais, c'est plus la livraison des petits carrés qui. C'est rigolo le. C'est hypnotique. Je vais. Dors. Donc c'est plutôt la livraison des petits carrés qui. Hein, on est d'accord que on pourrait en fournir un peu plus. Donc faudrait déjà pop. Non, elle doit être. De toute façon, la machine doit être à la limite. Qu'on lui en rajoute plus ou pas, ça sert à rien en fait. La machine doit travailler à 3,2 formes. Alors on peut le vérifier par un petit vue-mètre. Voilà, elle est à 3,2. Si j'en balance donc 6,4. Ah, ça monte. Ce qui est marrant, c'est que ça monte lentement. Et ça finit par se bloquer à 4. Qui doit être le régime du découpeur. Pourtant, découpage, on est en vitesse 8. Hein. J'ai pas tout vidangé en vert.
Celui-là sert pas. Là, il n'y a que deux lignes, c'est bon. Là, c'est du blanc. Ouais. Et là, il y a les deux lignes du bas. Non, c'est bon. Là où il reste pas vide danger, c'est des lignes qui servent pas pour l'instant. On aura un souci plus tard, mais pour l'instant, on peut accélérer un peu le débit. Donc, en doublant la machine, quoi. Pop. Techniquement, je devrais être à 8. Eh, 8, on a dit. Tu te dépêches d'aller à 8 là? Ah, cochon de l'espace. Tu vas m'obliger à me remettre une machine. Bon bah là faudrait faire pareil. Ça va pas marcher. Non, je suis trop. Il en faudra encore un autre. Ouais, là, on va avoir des soucis ici. Dès qu'on voudra refaire une forme à quatre trucs. Si je fais ça, ah ouais non ça va pas aller. Si je fais ça, si je fais contrôle. Je vais être prêt pour le speedrun, moi. Là, ça devient un peu le brin sur le découpage. Mais bon, ça après, ça sera. Je pense qu'il va y avoir des. Il va y avoir des grosses usines qui vont extraire des quarts de carré, des quarts de rond, des quarts de tout, en fait, hein, qui les stockeront. Et pareil, on fera des rotations selon ce qui est demandé. Tac, tac. C'est toujours ces petits carrés-là qui sont à la traîne. Alors pourquoi? De toute façon, il y en a toujours un qui sera à la traîne. Hein. De l'autre, c'est la peinture des petits carrés. Donc c'est l'approvisionnement en petits carrés qui coince. Pourtant, j'en balance plus que dans l'autre. On est redescendu à 10-4. Bon, après, on peut refaire une.
C'est limité le truc, hein. Ah ok, ouais. Et vous avez vu la faute? Ah ouais, quand on fait comme ça. Hop. Ah bah ça y est, on l'a saturé le truc. Ah! Il y a une des branches qui sature. C'est bon signe. Sauf que des découpages comme ça, du coup, ça se désynchronise. Et c'est pas forcément bon. Salut Audrey. Et des petits lags, hein. Commence à y avoir des petits lags dans le dans le jeu. Hein. Mon usine universelle a l'air un peu. Par contre, pourquoi ça continue là? Ah, parce que je livre ici. Ah, c'était pas la bonne que j'accélérais. Ah ouais, c'est celle-là. Ah bah oui, il y en a que deux là. Oh, il y en a que deux. Alors attends, on peut faire une petite extraction ici, hein, dans le style boulot de. Alors attends, lui, le deuxième, faut le mettre de l'autre côté. Donc c'est là. Et lui, bah pop 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 pop. Là. Lui, pop 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 pop. Là. Nickel chrome. Et formidable. Ils sont bien du bon côté. Mets un buffer pour éviter les désynchros. Ouais, Swiss peut-être, ouais. C'est attends, c'est ces trucs-là. Donc en fait, s'il en rentre pas assez. Il stocke rien, il file. Là, par exemple, il en rentre plus qu'il n'en sort, donc il stocke. C'est ça le principe. Alors ça devrait marcher si on branche un truc dessus. Sinon, ça marche pas. Donc là, j'en ai mis 3. Là-bas, j'en avais mis 4. Ça serait bien d'avoir un quatrième, peut-être. Mais ça serait peut-être bien pas faire ça comme un plouc. Voilà, faire un petit truc comme ça. Ouais, ça va être joli. En plus, c'est très esthétique. Je trouve que là, on a quand même formidablement avancé dans l'esthétisme de la chose. J'aurais presque pu faire un copier de forme. Ouais, ils sont limités à 5000, je crois. Ça stocke jusqu'à 5000. Et après. Je crois qu'il y a des astuces pour éviter les blocages. J'ai vu un montage sur internet avec les mont avec pour éviter les blocages. Ouais, parce que là on est à 13,6 et en sortie on est à 10, voire même moins. Donc là, on produit combien? On est monté à 46 000. $46 000, donc 48, ça va monter là. En livraison, on était en dessous de ça. Je pense qu'on doit. Là, on va coincer. Ah non, ça coince pas. Plus loin peut-être. Non, même pas. Bon, ben voilà, on a fait la.
vais pas tarder à faire ma petite pause. Je suis assez content parce que on a réussi à faire ce truc-là. Alors par contre, pour le programmer, surtout pour le programmer à distance, ça va être assez chaud, hein. Pour l'instant, vous avez vu qu'il faut intervenir, paf, à ce niveau-là, en disant, voilà, c'est illisible en fait, hein. Voilà. Ici, je balance ma pièce. Vache. Et pour relier tout ça à des signaux, ouais. Donc va falloir que je réfléchisse à autre chose parce que ça me satisfait pas complètement. La prochaine fois, soit on refait ça, soit ce qu'on va commencer à faire, c'est faire des usines spécialisées, faire les petits. Donc tous ces lignes-là, elles vont être reliées à des générateurs de peinture, donc les 7 couleurs, à des générateurs de formes, donc a priori les 4 formes de base, le petit carré, le quart de rond, la pointe, et puis il y a le moulin aussi. Il devait y en avoir dans le coin des moulins. Des ailes de moulin, ouais, c'est ça, voilà. Et d'ailleurs là on a même la forme. Ah c'est dommage, elle est complètement mangée par le rond, mais là on avait toutes les formes en un. Génial. Donc on se fera des gros centres de stockage, puis d'un autre côté des formes de base comme le rond, le carré, etc. etc. Puisque des fois vous avez vu qu'ils nous demandent. C'est où? Bah, bon, ça c'est pas vraiment une forme de base, mais. Loulou Tomato nous dit: tu pourrais mettre un séparateur de ligne pour que la moitié rentre dans une boucle de buffer et que cette boucle revient sur la ligne et rejoint la ligne après le séparateur. Bah, je me demande si c'était pas un système dans ce style-là, ouais. Alors Renaud nous dit: vidange l'avant-dernier de la première ligne de couleur verte, il reste des petits carrés. Ah là, il n'y a plus assez de couleurs de toute façon. C'est celui-là alors. Là, cette ligne n'est pas utilisée. Hein. Faudra la purger, mais. Ouais, il n'y a plus assez de couleur verte. Mais ça, je sais pourquoi. C'est parce que j'avais fait une extraction à l'arrache. Ici, et il y a juste un truc d'extraction. Ah non, c'est du. Non, non, non. Et là, ce qu'on va faire surtout, c'est. Ça marchera mieux comme ça. Hop. Ah oui, là, il n'y en a que deux. Ah oui, il n'y en a qu'un. Là, il y a une ligne de 5, mais là. Ok, d'accord. Voilà, ça va être mieux. Et ici, on en balance 5 sur les deux. Donc. Si on fait ça ira déjà mieux. Voilà, la couleur verte revient. Alors la deuxième, en partant de la droite. Ah oui, ça y est, je l'ai vu. Ok, merci. Hop, merci. Alors Faucheur, le jeu c'est chez chapez.io. Un jeu gratuit, sinon il y a un peu de pub et il est limité, mais sinon il y a. Donc on peut le tester. Sinon il est pas très cher. Je crois qu'il a augmenté depuis la mise à jour, mais avant il était à 3 euros. Je suis pas sûr du prix actuel du truc. Donc là on est à un niveau déjà élevé, hein. Au tout début c'est simple, il demande des ronds. Il demande de délivrer des ronds au centre. Ah non, j'en délivre plus.
La forme la plus basique que je délivre, ça doit être le carré coupé en deux et peint en bleu. Pour faire des rectangles bleus, des rectangles droits bleus. Après, ça se corse. Donc ça, c'était une de mes premières usines. Je ne sais plus quel niveau c'est, les carrés bleus. D'ailleurs, j'en ai plus besoin. Puisque... Oui, maintenant, au niveau... Ouais, tout ça, je peux jeter. Sniff. On l'enlève. Attention, j'appuie sur supre. Je vais pouvoir faire du ménage là maintenant, hein, que j'ai toutes les améliorations. C'est pas ça que je voulais voir. Ça, cette forme-là, il va en falloir 30, il va en falloir 120 000. Celle-là, j'en ai 2 millions. C'est bon. Bon, il faudrait qu'on se fasse cette forme, qui est mine de rien compliquée. Au niveau de la fusion de ça et de ça, il faut pas que ça se mette ensemble. À tester. Sinon, normalement, ça devrait passer dans notre machine sans problème, hein. Le jour où on veut passer en 8,1, bah on fait 80 000 de ça, c'est pas un problème. Il y a juste cette fusion-là auquel il faut faire gaffe. Merci de l'avoir vu, ça aurait pourri ma journée. Bon, ben voilà, hop, la petite usine, elle est là. Donc, prochaine étape, l'alimentation de ça. Mais bon, ça, il faudra peut-être le revoir. Je sais pas comment faire. Pour l'instant, ça me plaît pas. Ça me plaît parce que ça marche et ça me plaît pas parce que c'est trop compliqué à programmer. On a 1, 2, 3. On a 10 lignes de bus. Et à chaque fois, on en a 8. Donc ça veut dire qu'on a 80 signaux à envoyer. Alors après, on peut peut-être faire de l'adressage mémoire en disant envoie un signal à telle ligne, telle colonne. Faut voir si avec les... puisque maintenant on a les... Ah, ils sont où? On a les trucs logiques. Par contre, on les transforme comment? Parce que là, c'est un et. Ah, c'est avec le T. Ah ouais, là j'ai un OU. Là j'ai un inverseur. Oh, génial. Bon, prochain coup, on se fait une ALU. Une UAL. Une franche. Une unité arithmétique et logique. On a tout ce qu'il faut, hein. Ouais. Rien qu'avec ça, c'était bon, hein. Bon, ben, on va faire la pause. Fin du live, Chapez. Je vous remercie de... Ouh, vache. Oui, on peut... Je vous remercie ben, d'avoir été nombreux. Le jeu tire-t-il beaucoup sur le PC? Salut, Lookme. Là, à mon niveau, il commence à y avoir des petits coups de lag. Et Steam est très gourmand. Le Steam en arrière-plan, il y a un processeur qui est prêt à 100%. Donc, à se méfier, hein. À tester. Après. Ouais, donc pour la rediff YouTube, au revoir et à bientôt. Alors, je sais pas s'il y aura un épisode, hein, entre-temps. On se reverra peut-être le prochain coup, le prochain. Ça sera le live de samedi prochain. Coucou, coucou, Adé!